Donc voilà, Paul était en train de revenir en forme pour le moment. Comment tu expliques cela? Ben, je pense que le staff médical a fait un bon travail avec moi ces dernières semaines. J'ai beaucoup travaillé aussi aux entraînements. Et voilà, après une longue blessure et un moment où ça allait moins bien, c'est logique que ça devait mieux fonctionner après tout ce temps. Maintenant, je me sens bien, je m'entraîne bien et le travail que j'ai fait avec le staff médical, il paye ses fruits maintenant. Comment tu as vécu cette longue période étant blessé? Ça a été difficile parce que des fois j'ai eu des critiques qui étaient non fondées, ça a été très difficile à accepter. Maintenant, voilà, c'est derrière moi et j'ai quand même eu du soutien de beaucoup de proches à moi et qui m'ont permis de tenir dans ces moments difficiles. Mais maintenant, c'est derrière moi. Ce qui compte, c'est maintenant à la fin. C'est toujours comme on dit à la fin qu'on fera les comptes. Et maintenant, voilà, ça va mieux. Dommage que la saison se termine bientôt. Et je pense que ça se termine peut-être un peu trop tôt pour moi parce que je me sens vraiment bien et j'aurais aimé que ça dure encore un peu plus longtemps. La Coupe du Monde approche à grands pas. Est-ce que tu en rêves toujours? Oui, bien sûr, j'en rêve toujours depuis que je suis petit. C'est un rêve, je pense, pour tous les Belges qui sont compétitifs. Je pense qu'ils rêvent tous à la Coupe du Monde. Maintenant, voilà, il y aura des choix à faire pour les sélectionneurs. Ça va être difficile et il faudra les accepter.